Hello les amis, c'est Fritz. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox. Nous allons faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. On va faire de lobby. Les lobbies, vous savez ce que c'est, hein, c'est des maps parcours. Honnêtement, ça va, je trouve que je m'en sors pas trop mal sur les maps parcours. Mais aujourd'hui, on va faire des parcours des hobbies de merde. Il y a une map, je suis tombé dessus. C'est une map qui s'appelle Hobby Poop, The Hobby, enfin je sais pas quoi, qui a quand même été visitée 267 000 fois. Donc est-ce que c'est un hobby de merde? Est-ce que c'est un hobby où il va y avoir de la merde? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, la vidéo Roblox qu'on va faire va être une vidéo Roblox de merde, voilà. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Si oui, bah on perd pas de time, hein, on est directement parti. Let's go. Je suis sur la map et je ne vois absolument pas en fait le rapport entre Poop et Bob l'éponge. Bon, en tout cas, il a l'air d'être assez court. Ça commence exactement par un troll. J'adore ces vidéos comme ça. C'est pas grave, on essaiera genre de faire quelques petites recherches et de tomber sur d'autres maps. Ouais, mais attends, si c'est clairement un hobby Bob l'éponge, je n'ai pas clairement signé pour ça. Enfin, du coup, vous savez ce que je vais faire? Bah, je vais quitter. Voilà, alors, je pense que ça va encore partir. C'est une compilation de maps. On adore. Ok, les amis, je suis sur une autre map qui a été visitée plus de 600 000 fois et on tombe là-dessus. Mais c'est quoi, genre, le délire des gens là, les amis, c'est quoi le délire des gens de faire des titres comme ça en mode ouais, ce qui est Poop Hobby machin nanana, et au final c'est un hobby qui n'a rien à voir. On a eu Bob l'éponge, on a eu Pac-Man, et j'ai l'impression en plus que c'est le même développeur, parce que regardez, on a le même toboggan, la géant de fin. Alors oui, c'est sympa, tu vois, mais alors à ce moment là mais Escape Pac-Man ou Escape jeu vidéo plutôt que de mettre Escape shit ou je sais pas quoi là. Moi bon, j'ai quand même envie de me faire un kill. En plus il y a quelqu'un qui a rejoint, mais à quel moment il y a des gens qui tombent sur ces maps là comme ça et qui se disent ouais allez vas-y, je vais jouer. Je vais juste essayer d'avoir le toboggan juste pour voir ce que c'est. Donc vous savez quoi, je vais me faire une petite coupure jusqu'à ce qu'on arrive au toboggan. Ok, c'est bon, attention mesdames et messieurs, je suis au toboggan, c'est parti. On prend le toboggan Pac-Man et on fonce dans la borne d'arcade. Wouhou! Erreur de téléportation, et tenter de téléporter dans l'emplacement avec ça et restreint. J'ai tellement pas de chance sur cette vidéo. Je pense qu'à mon avis c'est peut-être mieux qu'on tape Escape the Toilet. Genre essaye genre un dernier hobby comme ça, Poop, pour voir si on a un qui est fidèle au titre. Sinon on ira plutôt se diriger vers les Escape Toilet, parce que c'est vrai que j'en ai jamais fait et ça peut être sympa. Et c'est plus ou moins dans le même thème. Bon allez les amis, je laisse une dernière chance, Escape Poop Hobby. L'image m'a convaincu. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a moyen. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on est réellement sur un hobby? On n'est pas du tout sur un hobby Poop. Je ne vois de merde nulle part. Du coup, je me suis encore fait douiller. Et ici, c'est vraiment horrible parce qu'il y a des couleurs de partout. On voit que le mec, c'est un bon gros forceur qui veut qu'on achète ses bails. Bon, bah, tant pis. Pour le Poop, tant pis. On va se diriger maintenant vers des toilettes. Ouais, je vous avoue, c'est vrai que j'étais moyennement inspiré aujourd'hui. Ah, je me suis dit, je veux faire un hobby. On va faire un hobby pourri. En plus, ça arrive, excellent, on adore. Donc, ça a terminé. Bah, sur un escape shot, hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Alors attention mesdames et messieurs, ici ça ne rigole pas, c'est un hobby qui a été visité plus de 13 millions de fois. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 13 millions de visites, c'est juste énorme pour une map Roblox. Donc j'espère que là on va voir vraiment un hobby escape toilette. Mais pourquoi est-ce que les gens disent que c'est des escape toilettes ou des escape poop si au final ça n'a rien à voir, ça n'a absolument aucun rapport? Tu vas me dire que Roblox, genre dès que tu mets genre un caca ou une toilette, tu vas me dire que Roblox il censure directement, c'est impossible. Mais du coup voilà, 13 millions de visites pour ça. En fait ça va se transformer en une vidéo compilation pour montrer à quel point les gens, eh ben, se déroublent en fait sur Roblox, frère. C'est pire que sur YouTube. Et nouvelle map les amis, alors peut-être je donne une chance, 9 millions de visites quand même pour celui-là. Je sais pas trop comment ça se passe, j'ai l'impression que c'est pas vraiment une map hobby mais plutôt une map toboggan. Du coup attention, si je vais par exemple là dessus est-ce que ça me fait spawn? Oui, ça me fait spawn un petit câlin en plastique. Bon bah voilà, ça dit que c'est des hobbies, au final c'est pas des hobbies, c'est des maps toboggan. Enfin à chaque fois que je veux faire une vidéo basée sur un certain thème, genre par exemple on se rappelle de la vidéo 6666 où en gros j'avais tapé Roblox 666 dans la barre des recherches et je tombais vraiment sur des trucs un petit peu chelou et what the fuck. Là je veux juste essayer de faire, regarde mec, ça n'a aucun sens. Je veux juste faire des escape toilettes ou des escape poop et il y a pas moyen mec, je me fais rouler à chaque map que je visite, c'est incroyable. Voyons le bon côté des choses, on va dire comment aujourd'hui on découvre plein de maps. Mais j'en peux plus les amis, j'essaye de trouver un escape hobby en rapport avec des toilettes. J'ai même vu sur YouTube qu'il y avait genre des Devil Toilettes etc. Enfin des Evil plutôt Toilettes etc. Et moi je trouve pas un gros regard, j'arrive sur des hobbies. Mec on voit des cartes de granit qui sont en train de tourner. Est-ce que ça ressemble à un truc de toilette? Absolument pas, il y a même aucune toilette. On aurait pu mettre des toilettes etc. quelque part, il y en a aucune. Il y a des Triforce, il y a des enclumes. Putain mais ça me rend fou, je veux faire une vidéo basée sur des chiottes, est-ce que ça pose un problème? J'ai l'impression que oui, bordel, Roblox c'est un gros problème avec les chiottes. Oh là là, essayez au moins de faire cet hobby là.
Apparemment, c'est un escape toilette aussi. Est-ce que vous voyez, toi, en plus, ce qui m'énerve, c'est qu'ils mettent ça dans le titre. Par contre, il y a une magnifique poire à la gauche, on apprécie. Ce qui m'énerve, en fait, c'est qu'ils mettent un titre genre escape toilette et ils mettent une belle image, genre d'une toilette 3D et tout, genre comme ces personnages-là. Sauf que ici, bah, regarde, je rentre dans la map et on a plein de choses. Hein. Il y a plein d'univers, c'est cool. Hein. Il y a Pikachu, il y a un requin là, il y a une chenille, enfin bref, il y a plein de choses. Mais il n'y a pas de toilette. Du coup, bah, dites-moi un petit peu dans les commentaires pour ceux qui sont sur Roblox depuis très longtemps. Est-ce que Roblox a un problème avec les chiottes ou bien c'est juste que les gens c'est des roublards, ils essayent de faire croire en gros qu'il y a des hobbies toilettes alors qu'au final peut-être qu'il n'y a même pas moyen de modéliser une toilette sur Roblox, je sais pas, expliquez-moi un petit peu le bail parce que là je vous avoue que je ne comprends pas trop, le hobby a l'air d'être gigantesque par contre. Donc, je vais quitter, je vais continuer de faire quelques petites recherches en espérant bah, de pouvoir tomber sur une map plutôt cool, donc c'est parti. Nouvelle map, 21 millions de visites pour cette map et en vrai le concept a l'air d'être plutôt sympa, par contre j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu comme un tycoon. Le titre de la map c'était slide toilette je sais pas quoi et finalement en fait ça part sur un tycoon. Plus je sais même pas ce que ça crée, attends on va aller voir, on va faire une petite visite. Là on se retrouve dans le désert mec ou sur une île avec des palmiers, genre aucun rapport mec, vraiment aucun. Et ici le mec est en train de créer un truc qui n'a rien à voir, des petits ballons en plastique. C'est super les mecs hein, franchement genre j'apprécie tomber sur des maps comme ça qui n'ont rien à voir, franchement j'adore. Roblox ne veut clairement pas me faire kiffer sur des putains de toilettes alors qu'au final même avec Roblox 666 on avait trouvé plus de choses tu vois, c'est ça qui est étrange. Bon, map qui s'appelle Fist the Giant Toilet. J'en peux plus vraiment les amis, c'est incroyable, j'ai l'impression que rien ne va, c'est juste abusé. Donc attention, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit trouver, comme le dit la map, on doit trouver bah, la toilette géante qui est, bah, je sais pas trop où est-ce qu'elle est. Si je tombe dans le vide comme ça, est-ce que je meurs ou pas? Non c'est bon, je ne meurs pas. Donc ça va être notre objectif pour cette map là. On va essayer de trouver la toilette géante. Alors attention mesdames et messieurs, la toilette géante. En vrai ça peut être sympa comme petite map là. Nous avons du coup private area à gauche et à droite. Est-ce que je prends gauche ou est-ce que je prends droite? Vous savez quoi? Je pense que là vers la gauche c'est très bien, pas du tout. Ah les amis je suis mort. Donc je suis en train de retourner là où j'étais tout à l'heure. Regardez, si tu me prends le Godzilla il tombe comme une merde. Mais bref je voulais juste vous montrer ça, ça m'a fait rire. Donc on va aller à droite. En plus j'aurais dû me douter que c'était bloqué, donc il y avait forcément une raison. Allez on se focus cette fois-ci. Ah mais mec, écoutez les petits potes, c'est encore une fois une map de merde. Ah tu sais quoi, je sais pas quel escape je vais faire. Je dois faire un hobby de qualité parce que là c'est en train de me rendre fou. Ah, voilà les amis, échappe à Cantillon. C'est pas mal, c'est pas mal mec. Cette vidéo n'a aucun sens. Pour montrer, en plus en français, il y a une fuite de terre massive et ta fille Candy va vers le bas. Rapide, passez par ici pour sortir. On va s'en transformer en fait en une vidéo compilation. J'essaye d'être réactif, mais au moins vous voyez que des fois j'ai des idées. Et mes idées, bah je peux pas vraiment les appliquer à 100% dans le sens où Roblox m'a mis clairement une grosse douille là. Mais bon, vous allez quand même voir que j'ai du skill. La map est très jolie, donc on va enfin pouvoir terminer sur une note plutôt positive. Pourquoi est-ce que j'ai grandi par contre, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il dit le petit bonhomme là? Vous ne pouvez marcher sur une sucette pour chaque jeu. Il y a une sucette sur deux qui est mauvaise, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Donc la bleue, hop. D'accord, j'ai raté. J'ai dit la bleue. Ensuite, je suis sûr que c'est gauche. Ouais c'est bon, et ensuite ça va être droite si on suit la logique. Mais non, même pas. Faut aller maintenant encore à gauche, et là c'est forcément à droite, et oui les amis. Parfait, un labyrinthe, bonne chance. Vous pouvez le faire, bon c'est très très sympa cette map en vrai. Attends je peux toucher les murs, oui ça va, c'est juste un labyrinthe. À chaque fois j'ai peur de frôler les murs parce que j'ai peur de mourir, mais c'est bon. Alors petite technique pour le labyrinthe. Mec c'est tellement facile gros avec cette vue là. Hashtag fric de roublard dans les commentaires. Hop tu suis les flèches en plus, bah ouais il a été grave sympa. T'as juste qu'à suivre les flèches, ça t'indique bah où est la sortie. Regardez ça, le labyrinthe qui est déjà torché. Au revoir et merci. Et c'est terminé. Parfait, nouveau checkpoint. Maintenant, les tablettes de chocolat. Allez, hop, très très simple. En vrai, au début, quand j'ai commencé à jouer hop, davantage à Roblox, il faut savoir que moi, Roblox, j'avais déjà fait quelques vidéos il y a plusieurs années dessus, mais je m'étais jamais vraiment intéressé plus que ça. Enfin, j'avais pas cherché à comprendre ni à découvrir ce qu'il y avait d'autre sur le jeu. C'est vrai qu'au début du jeu, j'avais vraiment un très mauvais niveau en termes de hobby. Et je trouve que je me suis quand même pas mal amélioré. Alors, certes, c'est pas le hobby le plus compliqué qu'on peut avoir. Mais ça va, je me débrouille vraiment bien. Faites attention à éviter les bulles dangereuses qui sortent de la tire. Ok, de la tire. Bon, on voit bien que, à mon avis, le mec qui a traduit ça, c'est pas ouf. Hein. C'est peut-être même Google Traduction qui a traduit tout ça. De la terre, je suppose. Quoique que ça ressemble pas vraiment à de la terre. Hop. Et attention, mesdames et messieurs, nouveau checkpoint. Alors, nous avons maintenant des parasols. Et tout si cet hobby est long, s'il est court. On verra bien dans tous les cas. Hop, ça peut pas être pire que ce qu'on a eu au début. Là, ça fait quand même plaisir de pouvoir un petit peu jouer au jeu. Alors les glaces c'est comme les sucettes, il y en a une mauvaise et il y en a une de bonne. Ok, celle de gauche est mauvaise. Vas-y je sens le droit, je sais pas pourquoi. Non pas du tout, c'est le mec a été réglo. Droite gauche, droite gauche. Bon maintenant nous avons quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah je crois que c'est des sortes de glaces aussi. Hop, ça ressemble un peu à des macarons. En vrai c'est peut-être plus tout ça.
Des petits macarons, ça fait plaisir. Hop, hop, rien de compliqué là. En plus, c'était grosse surface. Et nous enchaînons directement sur un nouveau checkpoint. Je pense que la fin, c'est là-bas, là où il y a le château avec les sucettes et tout. Ça a l'air grave stylé. Donc, pressons-nous, pressons-nous. On enchaîne vite fait le petit parcours des bons becs ici. Hop, ça me donne faim là. Ça me rappelle tellement mon enfance, tous ces petits bonbons et tout. D'ailleurs, dites-moi un petit peu quel est votre bonbon préféré. Moi, honnêtement, le bonbon que je préfère en vrai, il y en a beaucoup que j'aime bien. Mais je pense que c'est les Dragibus. Les Dragibus, c'est trop mon kiff. Vous ne pouvez marcher sur une barre de chocolat, choisissez sagement. Attendez, pas moyen de. Hop là. Ok, non, non, d'accord, mince. Au début, je pensais que c'était la bonne, mais je me suis enfoncé après comme une merde. Donc, c'est d'abord cette tablette là. Ensuite, je sais pas pourquoi je sens la gauche. Hop. Attends, quoique, j'ai l'impression qu'il y a. Ouais, il y a un renfoncement. Mec, il y a moyen de brain le jeu. Il y a moyen de brain le hobby. Regarde ça, c'est à droite en fait qu'il fallait aller. Voilà. Donc, si vous êtes intelligent, si vous êtes assez rapide, hop, il y a moyen de. Attends. Non, j'ai foiré. Hésité un moment, mais non, c'était une mauvaise tablette. Hop, le mec a été vraiment réglo. Ouais, en fait, il a été réglo de ouf. C'est juste gauche, droite, gauche. Donc, une suite un petit peu logique, j'ai envie de te dire. Bon, nous sommes arrivés au nouveau checkpoint, je suis content. Place maintenant au parcours des donuts. Hop, la donut aussi, je kiffe tellement ça. Surtout les donuts, genre il y a des trucs à l'intérieur, genre donuts, tu as du chocolat genre à l'intérieur et tout. Quoi que vous fassiez, je sais pas le quoi, mais c'est de bon. Bon bah je vais suivre la fille ici, la collègue là. OK, OK, je vois, je vois. Hop. C'est un truc où en gros, tu bouges tout seul. Donc il faut juste arriver à esquiver au bon moment. Hop, on a connu bien plus compliqué, j'ai envie de te dire. Et c'est bon, nouveau checkpoint. Sucette, balancé, pourquoi éther, bonbon si dangereux, ne les touchez pas. Il parle tellement d'une façon chelou, lui. Ok, on a juste esquivé les bonbons là, on attend, mais carrément comme ça. Hop, voilà, c'est un peu bugué par contre. C'est bon, nice, je commence. On est bien dans les temps, ok, parfait. Là, c'est pas passé loin, j'ai failli me faire faucher, mais non, ça passe. Alors, c'est quoi ça maintenant? De l'acide. Quel est le rapport entre de l'acide et des bonbons? Je ne sais pas, je ne sais pas. Car je pense que vous n'êtes pas bête, mais vous savez que l'acide, ça brûle, ça fait mal. Donc clairement, il vaut mieux pas toucher. Hop là, on fait attention ici. Nouveau checkpoint. On est bientôt arrivé au château. Oh là là, ça a l'air tellement bon, plus par là-bas. Et hop. Et c'est bon. Nouveau checkpoint. Alors c'est quoi cette fois? Ok, j'ai compris. Faut en gros pas toucher les trucs là. Je sais pas trop ce que c'est. On dirait des vieux malabars genre fondus. On esquive. What? Mais non, mais le jeu a bugué, c'est incroyable. Ok, c'est bon, j'ai réussi à passer ce truc là. La caméra s'est coupée entre temps. Bon travail, dépêchez-vous, traversez le pont. Bah, c'est parfait. Attends, 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 speed coil. Est-ce que j'achète ça pour vous montrer? Allez, pour la ligne d'arrivée, on se fait plaisir. Hop, c'est parti. On sprint super vite avec ça, c'est incroyable. Ce magnifique arc-en-ciel. Et hop là. Alors, il me dit quoi? Nous l'avons fait au château, vite passé par la porte. Le château qui est tellement cool. Il me donne trop faim, sérieux. Et hop là. Et bah écoutez, hein, on va maintenant enchaîner des petits parcours de chocolat là, bien stylé. Nous donner faim, des petits M&M's, version Roblox. Elle est grave bien faite la map. Je la connaissais pas, je pense qu'elle est assez connue. Hein. Ça tombe, il y en a plein parmi vous qui l'ont déjà faite. Je vous avoue, c'est plutôt stylé. Hop, le petit Candyland là, on a su au moins trouver un bon hobby pour corriger un petit peu toutes les maps de merde là. Hein. C'est le cas de le dire très clairement qu'on a eu. Un autre labyrinthe, on y va encore une fois. Ok, allez, let's go. Le labyrinthe, attends, j'aimerais bien avoir le speed coil là. Ça a bien m'aider en vrai. C'est parti, tu fais. Tant pis les amis, il est mieux que je meure parce que là c'était n'importe quoi. Hop, hop. Alors qu'est-ce que tu me dis? Ah, les questions de bonbons, répondez correctement. Qu'est-ce que des bonbons? C'est un mélange de beurre d'arachide et de chocolat. Bon, ça je pense que ça se voit, c'est ça hein, très clairement. Quoique, ok c'est bon. D'abord ils sont trop verts, ils sont doux. Ça peut-être, il y a des trucs genre je vois pas le rapport hein. C'est le bonbon officieux de Noël, ça très clairement. Le fameux, comment on appelle ça? Sucre d'orge, voilà, c'est le bonbon officieux d'Halloween. Starburst, c'était quoi ce machin? Je connais pas hein. C'est peut-être des, non ça a rien à voir je pense en vrai. Je dirais plutôt ça, voilà. Et on a réussi, bon travail. Il est temps de monter l'escalier, les étapes disparaissent, alors dépêchez-vous. Okay. En gros les escaliers disparaissent et non pas les étapes hein. Hop, 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 cet escalier de chocolat. Oh là là, le rêve de gosse mec. C'est clairement le paradis pour les enfants. Ok, c'est bon, nous avons réussi à passer. Walk on the bouncy balls, le mec a eu la flemme de traduire jusqu'au bout. Bon, en gros vous l'avez compris, on doit juste sauter sur les boules là de couleur. Oula, 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 oula. Ok, je vois, je vois, je vois, je vois. Là c'est un peu plus compliqué, j'ai pas de mytho. Mais non. Et c'est bon, j'ai réussi, je pensais que j'allais tomber. Ok, on doit faire attention, chocolat, le gauche c'est pas bon, on doit prendre le droit. Non, on a fini de passer les petits chocolats Toblerone, le nouveau checkpoint, place aux sortes de Mikado, on dirait un peu ça, on dirait un peu des Mikado. Ok, les Oreos, oh là 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 là, il est long en fait ces Toby, hein. Je pensais pas, hein. J'aurais pu carrément faire une vidéo juste pour ces Toby en vrai. Au checkpoint, on a réussi, les donuts, le retour, là on l'est encore meilleur, c'est pour ça que cette partie là de la map est encore mieux réalisée, genre le chocolat, tout ça, on voit que c'est le bail du mec. Attends, pourquoi je suis mort là? Ah oui d'accord, je, attends non, je dois pas toucher juste... Mais je comprends pas, rester sur le chemin. Mais ouais, mais t'es bien sympa, mec. Sauf que j'étais sur le chemin, justement, et je suis mort quand même. C'est pas normal. Hop, on doit faire attention.
esquiver tout, ça demande un petit peu de précision et de patience. Mais non, mais c'est pas possible, mec, j'y étais là. Ok, il y avait un troll, j'avais l'impression. Bon, on passe ça tranquillement. On est bien sur le chemin. Et on termine ça en beauté, parfait. Alors, il reparle de nouveau français. Nous avons trouvé le téléporteur rapide. Rendez-vous pour qu'on puisse s'échapper, je sais pas quoi. Et là, on est arrivé à la fin de la map. On est dans une magnifique chambre. Passez par cette porte, utilisez vos prix dans le jeu. Et ensuite, bah, tu peux tout simplement recommencer. Et bah écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus. Franchement, le lobby était super cool. Ça a été un peu un mélange de tout. Une mini compilation de maps qui n'avaient rien à voir. Un petit hobby, genre bien sympathique pour terminer. Donc en soi, ça reste une vidéo assez chill, assez cool. Si vous avez kiffé cette hobby, bah, mettez-le moi dans les commentaires. Et surtout, bah, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide toujours énormément la chaîne. Pensez à vous abonner grâce au logo qui apparaît à l'écran ou à la chaîne secondaire qui est juste à côté, ou si vous avez du temps encore, et bah checkez deux de mes autres vidéos. En tout cas, j'espère pour une vidéo où tout ira bien dès le début. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde.